Manon Massé va aller à Paris, au sommet, là, sur le... l'environnement, le climat. Ici, dans 2 ans, le Léoduc va passer de la manière que c'est parti là. J'espère que non. J'espère que non. Moi, je suis dans le... Il y a des batailles qu'on gagne quand même. Mais je suis content que Québec solidaire se soit engagé dans ce bataille-là. Oui, là, nous, on dit, ben, pour faire ça, il faut un plan de sortie du pétrole. Il faut commencer ça le plus tôt possible. Quand on continue à... Juste le fait de tenir des audiences publiques là, sur les études, c'est des sous qu'on dépense. L'étude environnementale stratégique, c'est des sous qu'on dépense. C'est du temps qu'on perd dans ce débat-là. Ce temps-là, ces sous-là, cette évaluation-là, ces audiences publiques, on devrait le faire sur les modèles alternatifs. On devrait le faire sur la transition, sur tout ce qui doit remplacer tout ça. On est encore pris à devoir faire des études pour voir si on peut laisser passer du pétrole sale de l'Alberto. C'est une perte d'opportunité. T'sais, écologiquement, là, quand la place est prise dans nos débats, dans nos ressources, dans notre temps, par ces débats-là, ben, c'est autant de temps qu'on perd à engager dans le chemin de la transition écologique et énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses. Ça ne veut pas dire qu'on est débarrassé de l'automobile demain. Mais il faut commencer aujourd'hui à réfléchir, là, à mettre tout le paquet, toutes les études, toutes les consultations, à saisir toutes les opportunités, à ne pas gaspiller notre argent à tourner encore à l'entour du pétrole. C'est ce qu'on fait. C'est ce que le PQ fait, même le PQ. Pourtant, qu'ils gueulent contre le transport, hein, mais quand on leur parle, ben oui, mais qu'est-ce que vous allez faire du pétrole, de l'animal, Old Harry, c'est aux îles de la Madeleine, puis Haldimand, c'est en Gaspésie. Bref,